Maldives Passion, les plonges sont honnêtes ou c'est du flanc là? On a quand même de la très belle plongée, sachant qu'on est sur Malais Sud. Il faut savoir qu'on est sur les itinéraires de ce que font normalement les liveaboards, c'est-à-dire les bateaux de croisière plongée. Leur itinéraire, je dirais bateau, c'est le cas de le dire. Ils vont sur Ari Atoll, puis ensuite ils reviennent sur Malais Sud, c'est-à-dire ici, ils font quelques plongées et ils refinissent sur Malais Nord. Donc on a effectivement de la très belle plongée. En général, c'est de la passe ou du récif extérieur. On a également du pinacle submergé, ce qu'ils appellent ici le tila ou le guiri, en fonction de la profondeur du récif. Donc on a du beau corail, on a beaucoup de poissons, on a du requin gris, on a du pointe blanche, on a de la raie léopard. Pendant la saison, c'est-à-dire de, en gros mai à novembre, on a de la manta. La visée est moins bonne évidemment parce que c'est la période de la mousson et puis c'est chargé à cause du plancton, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des mantas. Mais c'est aussi l'avantage, c'est que les prix, comme c'est la basse saison, les prix sont beaucoup moins chers, donc l'hébergement est beaucoup moins cher et c'est vrai que c'est, pour un plongeur, si vous voulez voir de la manta, c'est une bonne période. Là en ce moment, c'est-à-dire aux alentours de décembre, la visée est bien meilleure, mais là, les mantas là c'est juste fini, on en a plus, on a vu quelques mobulas récemment, par contre on a de la raie léopard. En permanence. On a également une petite épave qui est très sympa, qui se trouve sur un récif seulement à 15 minutes de Marafushi. Il faut savoir que la majorité de nos sites se trouvent entre, on va dire, 25 et 40 minutes maximum de Doni, qui est le bateau traditionnel. Donc on passe pas des heures sur le bateau, et ça c'est quand même pas négligeable. D'accord. En résumé, il y a à peu près combien de... On a environ ici entre 15 et 20 sites, en comptant ceux qu'on utilise en plongée de nuit ou pour des niveaux un petit peu inférieurs, genre baptême, etc. On a environ entre 15-20 sites. Voilà, alors on est un centre agréé PADI, donc on propose des formations du bubble maker, c'est-à-dire pour les enfants 8 ans, jusqu'au dive master, ce qui s'est passé d'ailleurs pour notre instructrice maintenant norvégienne, elle est venue faire son dive master chez nous.